Élève. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va faire une activité de lecture, semaine 2, séance 1, thème l'eau et la vie, l'unité didactique 5, troisième année primaire, établissement Abdrahim Bobid, Gzoula. Réalisé par professeur Widad Elana. Allez-y, on commence. Oui, très bien. Alors, activité de lecture, texte numéro 2. Le titre, c'est L'eau, c'est de l'or. On répète, l'eau, c'est de l'or. Très bien. Passons maintenant. À l'activité 1. Activité 1. A. Ah, avant de lire. Et avant d'aborder le texte, on va répondre à la question suivante. Pourquoi faut-il protéger l'eau? On répète. Pourquoi faut-il protéger l'eau? Pourquoi faut-il protéger l'eau? Qui connaît la réponse? Oui, c'est ça. Il faut protéger l'eau car elle est source de vie. Oui, c'est bien ça. Très bien. Répétez s'il vous plaît cette phrase. Elle faut protéger l'eau car elle est source de vie. Oh bien. L'eau est source de vie. Très bien. Quoi d'autre? Il faut protéger l'eau car l'eau est importante pour toute la planète. Allez-y répéter. L'eau est importante pour toute la planète. Oui, bravo. Quoi d'autre? Il faut protéger l'eau car l'eau est utile. L'eau est utile pour les humains, les plantes, les animaux. Alors qui vous répétez cette phrase L'eau est utile pour les humains, les plantes, les animaux. c'est très bien. Alors maintenant, passons à l'activité B. B: je dis ce que je vois. Je dis ce que je vois. Très bien les élèves. Alors... Regardez cette image. Regardez cette image. Que voyez-vous sur cette image? Que voyez-vous sur cette image? Oui, très bien. Je vois de l'eau qui coule d'un robinet. Oui, très bien. Bravo. On répète, je vois de l'eau qui coule d'un robinet. À haute voix, s'il vous plaît. Je vois de l'eau qui coule d'un robinet. Très bien, les enfants, très bien. Et cette image, que voyez-vous sur cette image Que voyez-vous sur cette image Oui, oui, très bien. Je vois de l'eau qui coule d'un tuyau cassé. Oui, très bien. Je vois de l'eau qui coule d'un tuyau. Cassé, très bien les élèves. Répétez s'il vous plaît ces mots-là. Un tuyau cassé, un tuyau cassé, un robinet, un robinet. Très bien les enfants. Eh bien, on va passer aux autres illustrations. Allons-y. Regardez cette illustration. Regardez bien cette image. Regardez bien cette image. Très bien. Que voyez-vous sur cette image? Que voyez-vous sur cette image? Oh bien. Que vois-tu sur cette image? Que vois-tu sur cette image? Oui, les enfants. Allez-y. Oui, très bien. Je vois une femme. Je vois une femme. Très bien. Répétez, s'il vous plaît. Une femme. Une femme. Oh bien. C'est une femme, c'est une femme. Très bien, oh bien, c'est une femme africaine. C'est une femme africaine. Très bien, les enfants, très bien, les élèves. C'est bien ça, c'est une femme africaine. C'est une femme africaine. Très bien, que voyez-vous d'autres? Que voyez-vous d'autres? Oui, très bien, je vois. Des bidons d'eau. Je vois des bidons d'eau. Très bien, répétez. Des bidons d'eau. Des bidons d'eau. Très bien, les élèves, très bien. Alors, que fit-elle Que fit-elle Que fit-elle Très bien, oui, c'est bien ça. Oui, bravo. La femme transporte des bidons d'eau sur ses épaules. La femme transporte des bidons d'eau sur ses épaules. Allez-y, répétez cette phrase. La femme transporte des bidons d'eau sur ses épaules. Transporte des bidons d'eau. Transporte des bidons d'eau. Très bien les enfants, très bien. Eh bien les élèves, écoutez-moi bien. Dans certains pays d'Afrique, la femme africaine doit chercher de l'eau trois fois par jour. Oui, trois fois par jour, accompagnée de ses enfants, accompagnée de ses enfants. Les enfants ont aussi l'habitude de porter de lourds bidons pour acheminer le précieux liquide nécessaire pour boire, pour cuisiner, pour laver les vêtements. Eh oui, pour laver les vêtements. Alors, L'eau est précieuse, l'eau est précieuse, nous la gaspillons pas, l'eau est précieuse, ensemble préservons-la. Et maintenant, que voyez-vous sur cette image Que voyez-vous sur cette image Oh bien, que vois-tu sur cette image Que vois-tu sur cette image Oui, très bien. Je vois un puits, je vois un puits. Oh bien, mes chers élèves, oh bien, c'est un puits, c'est un puits, oui, très bien, les enfants. Répétez, s'il vous plaît, c'est un puits, c'est un puits, très bien. Et là, que voyez-vous sur cette image? Que voyez-vous sur cette image? Oh bien, vois-tu sur cette image que vois-tu sur cette image oui très bien je vois une femme oui très bien oh bien je vois une femme africaine oui c'est bien ça oh bien oui très bien bravo oui la femme cherche de l'eau au fond d'un puits la femme cherche de l'eau au fond d'un puits, très bien les élèves. Répétez s'il vous plaît à haute voix, la femme cherche de l'eau au fond d'un puits, au fond d'un puits, au fond d'un puits. Très bien les élèves, très bien. Eh bien, mes chers élèves, ces images-là montrent-nous l'importance de l'eau. Et que l'eau est rare dans certains pays d'Afrique, bien sûr. Pour cela, les gens creusent des puits. Ils creusent des puits. Alors, l'eau est précieuse comme de l'or. L'eau est précieuse comme de l'or. Eh oui, l'eau, c'est de l'or. L'eau, c'est de l'or. Et cette illustration, que voyez-vous sur cette illustration? Que voyez-vous sur cette image? Oh bien, que vois-tu sur cette image? Que vois-tu sur cette image? Oui, très bien les élèves, oui, c'est bien ça, oui, je vois des enfants, je vois des enfants. Répétez s'il vous plaît, des enfants, des enfants, très bien les élèves. Que voyez-vous d'autre? Que voyez-vous d'autre sur cette image? Que voyez-vous d'autre? Oui, très bien, c'est bien ça, oui. Je vois des sauts, je vois des sauts. Répétez à haute voix des sauts, des sauts. Très bien, les élèves, très bien. Alors, que font les enfants? Que font-ils? Que font-ils Oui, très bien les élèves, oui, c'est bien ça. Bravo Les enfants font la queue. Les enfants font la queue devant une fontaine d'eau. Les enfants font la queue devant une fontaine d'eau. Répétez s'il vous plaît cette phrase. Les enfants font la queue devant une fontaine d'eau. Très bien les élèves, très bien. Alors, mes chers élèves, l'eau douce est indispensable à la vie sur notre planète. On en a besoin pour vivre, pour se laver, et surtout même si ça ne se voit pas pour produire notre nourriture, nos vêtements et tous les objets qui nous entourent. Mais la quantité d'eau disponible est limitée. Eh oui, mes chers élèves, la quantité d'eau disponible est est limité. Donc, économisons l'eau dès aujourd'hui pour en avoir encore demain. Économisons l'eau dès aujourd'hui pour en avoir encore demain. Très bien les élèves, merci pour votre attention. Au revoir et à très bientôt.